Salut, bienvenue à tous. Vous le voyez, les conditions météo qui nous attendent aujourd'hui sont absolument excellentes. Vous attendiez cette rencontre, et bien nous aussi. Je vais avoir le plaisir de vous la commenter en compagnie de Pierre Ménès. Attention à cette action. Oh, le but, l'ouverture du score. L'ouverture du score déjà. Ah, ça n'aura pas traîné. Voilà une équipe qui a l'air pressée de gagner aujourd'hui. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Ah ouais, ça c'est bien, sur l'aile. Ah ouais, bien vu ça. Coman. Allez, pourquoi pas l'égalisation. Elle est contrée cette frappe. Oh, le but. Et les deux équipes déjà égalitées. Eh ben dis donc, c'est animé comme début de match. Astrala, on aura déjà un score de tennis à la mi-temps. Et ils égalisent donc un but partout. C'est repris par Neymar qui a intercepté cette passe. Bernat avec Neymar. Di Maria. Mbappé en bonne position. Ah, c'est très bien défendu. Et ce tacle qui donne un petit peu de répit à la défense. C'est un adversaire qui récupère cette passe. Ah, il bascule sur l'aile, histoire d'étirer un petit peu le bloc défensif qui est très compact. Allez, l'occasion peut-être de mener. Ouais, très beau tacle, hein. Il a sûrement évité une grosse occasion de but. Koretka. Allez, le Bayern qui part à l'assaut du but adverse. Ouais, bien joué cette passe de Müller. Le joueur du Bayern qui marque. Le club de la capitale mené au tableau d'affichage. Oui, le geste. Là, c'est une touche. Müller. Tolisso. Serge Gnabry. Le Bayern qui fait bien vivre ce ballon. Tolisso. Kimmich, Tolisso, la bonne lecture là pour intercepter ce ballon. Ouais, le ballon qui change de camp, magnifique. Robert Lewandowski, peut-être un but là pour Lewandowski en bonne position. Ouais, l'arrêt de Keller Navas, c'est bien joué. Serge Gnabry, hors jeu. Verratti. On va construire en passant sur les côtés. Une perte de balle pour le Bayern. Ah, ils ont récupéré le ballon après avoir bien pressé l'adversaire. Tolisso. Avec Müller. Mbappé. Il progresse toujours, Kylian Mbappé. Ici au second poteau. Et attention, le ballon qui est toujours en jeu. Verratti. Messi. Allez, ils peuvent égaliser là. Pas de souci pour le gardien. Allez, corner pour les Parisiens qui sont toujours menés au score. Jérôme Boateng qui dégage. Neymar. Et le duel est gagné par le défenseur sur cette action. Entrée pour un coéquipier. Et c'est le but. L'égalisation parisienne. Égalisation pour le Paris Saint-Germain. Et c'est encore un retour au score. Une nouvelle égalité. Müller. Munich qui va affronter une belle équipe aujourd'hui. Ah, une équipe capable de lui résister, voire de lui poser des problèmes. C'est rare. Ça va être serré. Koretka. Leon Goretzka. Corentin Tolisso. Ouais, bon tacle, mais personne pour reprendre ce ballon. Ballon donné en cloche pour Di Maria.
Ah oui, le bon ballon là. Ah, si les défenseurs ne le connaissaient pas, maintenant c'est fait. Hein. C'est son troisième but personnel. La contre-attaque fatale qui passe en ce moment sur notre écran. Le buteur qui a décidé d'y aller tout seul. Il est parfaitement lancé. Après, il n'y a plus qu'à battre le gardien. Le Bayern qui voit son adversaire prendre l'avantage. Ah, et le Paris Saint-Germain peut continuer. Avantage. Kylian Mbappé. Oh, l'énorme plongeon. Il écarte le danger, Pierre. Ouais, il a pu faire admirer son coup d'œil, c'est vrai, mais surtout sa grosse détente. Le ballon qui sort. Lewandowski. Ah, il voulait sûrement faire autre chose. Ouais, très bon coup franc. Cette faute commise dans une zone dangereuse. Angel Di Maria. Attention, peut-être l'occasion de placer un contre. Hernandez. Oh, la bonne inspiration sur cette passe. Ah, ça passe vraiment assez loin du cadre finalement. Bah, c'est un peu normal, Hervé, quand tu regardes comment il la joue avec cette désinvolture, je vois pas comment ça pouvait inquiéter le gardien. Ça sort en touche, hein. Le ballon va changer de camp. Oh, il y a des solutions, il y a danger. Lewandowski. Ah, ils vont avoir une super occasion de marquer après cette faute. Très bon coup franc. La faute, bien sûr, et le carton jaune. Jaune. Mais c'est pas possible, là. Il méritait rouge, Hervé. C'est Robert Lewandowski qui va tirer ce coup franc dangereux. Incroyable. Trois buts dans ce match pour lui, Pierre. Ouais, en attendant le quatrième, peut-être. Hein. Parti comme il est, pourquoi pas. Et avec ce but, tout est à refaire. Il y aura donc une minute de temps additionnel. Ouais, c'est bien donné, une fois de plus. Serge Gnabry. Thomas Müller. Robert Lewandowski. Müller toujours. Et c'est au fond. C'est au fond et ce nouveau but pourrait bien assommer l'équipe adverse. Voilà, l'arbitre va renvoyer tout le monde au vestiaire. C'est reparti dans ce match avec un PSG qui n'a pas montré son meilleur visage en première période. Lorenzi, Messi. Quelques chiffres pour se rendre compte que le Bayern touche assez peu de ballons finalement. Mais au moins cette équipe sait se montrer réaliste quand elle a les occasions. Et on dirait qu'elle va faire bloc pour préserver son avance. Le Bayern qui perd le ballon. Bonne intervention du défenseur qui a écarté le danger. Le ballon perdu par les Parisiens. Est-ce que vous diriez de la prestation de Lewandowski dans ses 45 premières minutes ? Une grosse performance de sa part aujourd'hui, avec ses trois buts évidemment.
Donc c'est assez logique que son équipe mène. Il a été bon et il a profité des largesses de la défense adverse aussi. Allez, il y a une place là pour une contre-attaque. Ah, le contre un petit peu tué dans l'œuf avec ce ballon perdu. Et encore une bonne passe. Müller. Ah, la passe en profondeur, attention. Attention, attention à lui. Navas, oh magnifique. Oh, il a sorti le grand jeu sur cette action, le gardien. Ah, c'est bien défendu. Serge Gnabry. Oui, la faute, il y avait danger. Et attention, là, ça sent carton. Et l'arbitre qui va sortir le jaune. Oui, il s'en sort bien. Ouais, là, j'avoue que j'y comprends plus rien. Pour moi, c'était un rouge évident. Et c'est repoussé du point par le gardien. Et ça sort en corner. Allez, peut-être une possibilité de contre-attaque. Voyons voir. La contre-offensive, toujours le but adverse qui se rapproche. Allez, pourquoi pas l'égalisation. Là, c'est un but qui vient récompenser une magnifique contre-attaque. C'était superbe, hein, vraiment. Ouais, c'est surtout parfaitement exécuté. La défense n'a pas eu le temps de réagir et c'est au fond. C'est propre. Et voilà, les deux équipes qui se retrouvent encore au coude à coude. Müller. Corentin Tolisso. Le Bayern de Munich à l'attaque. On va peut-être assister à une contre-attaque. Là, ils continuent de développer leur contre-attaque. Oh, l'arrêt du gardien. Oh, ça n'a l'air de rien, mais il fallait le sortir, vraiment. Oui, rien d'extraordinaire non plus. L'autre a quand même moyennement joué le coup. Tolisso. Robert Lewandowski. Ah, la bonne maîtrise du ballon. Ils vont sans doute chercher à piquer. Il s'enfonce. Ah, ça peut faire mal, ça. Ah non, ce sera une sortie de but. En faveur du Bayern. Koretka. Thomas Müller. Tolisso. Müller. Oui, bien joué le gardien qui écarte le danger. Ça peut être dangereux là s'il lance la contre-attaque. Ouais, il est passé. Koretka. Müller. Serge Gnabry. Il donne dans l'axe, attention. Un ballon perdu, l'adversaire s'est interposé. Et c'est un sacré match auquel on assiste avec beaucoup d'occasions, début, mais il est très indécis, ça peut se jouer sur un détail. Ouais, les marques qui est trouvé sur l'aile. Oh, bien coupé là par le défenseur. Thomas Müller. Oh, la bonne inspiration sur cette passe. Oh, il n'a pas eu peur en moment de tacler. Il a pris le risque. Allez, peut-être l'amorce d'une contre-attaque. On va voir. Elle n'ira pas au bout, cette contre-attaque. Le ballon pour le Bayern, qui espère pouvoir faire la différence. Oh, la faute imprudente. Il y a déjà un jaune, attention. Attention à ce coup franc d'Alaba. Vu le temps qu'il reste à jouer, un but maintenant serait décisif. Ballon magnifiquement capté par le gardien. Porte de balle pour le Bayern. Il y avait peut-être une faute, mais le PSG qui bénéficie de l'avantage laissé par l'arbitre. Ah, tout le monde tremble là, sur cette attaque parce que ça va se jouer là. Ouais, c'est bien fait. Il a bien fait de ne pas se rater. Robert Lewandowski, plus que 7 minutes à jouer dans cette rencontre.
Goretzka. Un petit peu trop forte cette passe aérienne. L'action s'arrête là. Neymar. Pour Neymar. Ah, on a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. La passe est coupée. Attention, attention à Léo Messi. Là, il marque. Oh, le but qui va peut-être décider de l'issue de ce match. Le ralenti, donc, avec ce but qui récompense les efforts énormes déployés par ces joueurs. Ils ont pressé haut, ça a payé, évidemment. Il faut avoir les moyens de le faire. Et c'est peut-être là tout leur mérite. Il ne reste que 2 minutes à jouer dans cette rencontre. Belle passe d'Mbappé. En profondeur, attention. Attention, le ballon qui est toujours en jeu. 1 minute de temps additionnel. Oh, superbe sauvetage au moment où tout le monde voyait ce ballon au fond. Eh bien, pour une surprise, c'est une surprise. Ce match qui s'achève avec cette défaite.